Vous allez découvrir un endroit déconcertant. Ta mère ! Mais c'est des humains ! Les amis, aujourd'hui, si on est tous réunis, c'est pour un nouveau concept, l'ascenseur infernal. On va morfler. Attends, dans la combi, tu bandes. Mais quoi, wesh ? Mais frère, il bande. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est un pli. Mais d'abord, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Harry Potter, la magie émerge. Je vous en parle tout de suite. Les amis, je tenais à remercier Warner Bros Game France de sponsoriser cette vidéo et je vais vous parler de Harry Potter, la magie émerge. Déjà, Harry Potter, la magie émerge, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un nouveau jeu gratuit de cartes à collectionner ainsi qu'un MMORPG avec un aspect compétitif de zinzin. Laissez-moi vous expliquer l'histoire du jeu. Vous avez été admis à l'école de sorcellerie de Poudlard. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Vous allez combattre en mode multijoueur dans des matchs en temps réel. Le banger, c'est qu'il est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Je vous ai mis un petit lien dans la description pour télécharger le jeu, ça fait plaisir. Et après, en progressant dans le jeu, vous allez apprendre des sortilèges et des invocations de zinzin à utiliser sous forme de cartes. Donc le but, ça va être de combiner ces cartes et mettre en place une réflexion stratégique pour gagner les challenges et les duels contre les autres joueurs. En gros, il y a une vraie strat à élaborer avec vos cartes. Et surtout, les amis, vous allez retrouver plein de personnages que vous connaissez déjà comme Hagrid. Et ça, c'est trop stylé. C'est vraiment une dinguerie parce que vous allez pouvoir personnaliser votre avatar, vos cartes, jouer au Quidditch, survoler l'école sur votre balai, explorer Poudlard ou bien la forêt interdite, seul ou avec vos potes. Après, dans le jeu niveau PVP, vous allez tester vos capacités et votre stratégie dans des duels de fous, que ce soit en 1v1, en 2v2, et il y a même un autre mode de duel spécial. Mais ça, je vous laisse le découvrir, comme ça je vous spoil pas toutes les dingueries qu'il y a dans le jeu. Bref, les amis, encore merci à Warner Bros Game France de sponsoriser cette vidéo. Vous avez le lien pour télécharger le jeu dans la description, ça régale. Wesh, tu... C'est quoi ça, Inox? Non mais toi, c'est non, mais à chaque fois t'es super investi. Hey, c'est quoi le concept? Bref, c'est quoi le concept? Les amis, le concept d'aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. On a un ascenseur derrière nous, un ascenseur un petit peu spécial, vous allez voir. On est dans un immeuble à 6 étages. Ok. Il va s'arrêter à chaque étage, premier, deuxième, troisième, machin. On va devoir faire des choses qu'on va découvrir. Tu sais ce qui va se passer? Non, je sais pas justement. Personne sait ce qui va se passer. Justement, c'est ça qui est beau, les gars. Chaque étage, il va se passer quelque chose, une aventure. On pourra soit réussir. Ou ouais. Soit raté. Si on réussit, on passe au prochain étage, il n'y a pas de problème. Si on rate la mission de l'étage, on va devoir éliminer quelqu'un d'entre nous pour passer au prochain étage. Et ça, c'est le truc que tu me disais comme moi, j'ai fait la roue. Oh ouais, je suis gros, préviens les bails comme ça, frérot, fais pas aller. Voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Bah, la même, en vrai, c'est cool, c'est un bon Airbnb. Ouais, c'est chaleureux, j'aime bien. Vous allez découvrir un endroit quelquefois déconcertant, peut-être c'est le mot que j'aimerais utiliser. En tout cas, vous allez le découvrir et je vous y aiderai autant que je le peux, dans la mesure de mes possibilités. Mais vous, vous êtes un bon. Oui. Vous êtes un bon. Bien sûr. Vous êtes magicien, vous. Voilà. Il y a des gens mauvais ici? Non. Ah. Non, personne n'est mauvais. Non. Il n'est pas trop BG. Utilisez. Merci. Mais il a un flot de zinzin. Massu. Non, mais c'est un genre. Massu, t'as une meuf, hein? Ouais, enfin, bon. Je vous invite à entrer dans cet ascenseur. Ça va, Dwag? Tu m'as l'air traumatisé. Ouais, il a l'air. Alors, cette personne est apparue derrière moi déjà. J'étais pas prêt. Et est-ce qu'on a un nom à retenir, quelque chose, si on a besoin de vous? Appelez-moi le Game Master. Game Master. Game Master. Si on a besoin, le Game Master. On se revoit tous vivants. Attendez que la voix vous ait parlé avant d'appuyer sur le bouton numéro 1. Hein. La voix? La voix. T'es au top. Eh, on est dans Secret Story. Par contre, personne lui dit que son costume lui va pas. Pour votre information, chaque étage vous mettra au défi afin de tester votre cohésion, votre fidélité, votre courage et votre intelligence. C'est nous, ça, c'est nous. Il y a le Game Master. Comme vous le voyez, vous êtes très présent dans nos cœurs. Oh, vous avez pris le meilleur. Oh ouais. Aïe, aïe.
Une autre épreuve vous attend. Hey, je t'ai mangé de la balayette d'où pas ça. C'est pas bon là. Les dons. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon rêve de te voir enfant au sol. De la balayette. Merci Michou. Tu te rappelles? C'était mon rêve. Eh, pour de vrai, on est soudés. Eh, moi le premier que j'élimine, c'est Dwagby. Venez, on va Allez, ma soeur. Dwagby. Il va nous faire crever ici. Il va nous faire crever ici, ce petit con. On va te sauter, toi. Attendez un peu, monsieur Dwagby, ça arrivera. Eh, faut prendre une GoPro. Quoi? Ah, faut prendre une GoPro? Très fort, monsieur Inox. Très fort. Le principe est très simple, c'est un cache-cache. Vous avez 30 secondes pour vous cacher. 30 secondes? Comment on commence à 30? Et on verra bien qui vous trouve. Quoi? C'est par ici. On va se cacher là. Go, les gars, allez-y, les gars. Allez-y. Ouais, il y a des mecs à rouler. Mais putain, mais c'est des humains. On a 30 secondes, c'est une blague? Ouais, faut se cacher là. Mais attends, mais on connaît pas les lieux. Les gars, c'est tellement logique d'aller le plus loin possible. Eh hey, les gars, mettez-vous pas dans des cul-de-sac. Si jamais vous sentez qu'il y en a un qui va se faire choper, vous cavalez votre as. Moi, je suis bien caché là, je suis bien caché. Et je suis caché comme ça ici, derrière ça. Faut leur faire perdre un maximum de temps. Choper comment? Mais frère, j'étais trop bien caché. Ah! Hey, mon gâté. Non, Magla? Oh, salut! Attends, mais il reste combien de temps là? On a perdu? Mais je sais pas! Et les gars, ils sont pas trop mauvais les ravisseurs? 3, 2, 1. Partie terminée. Wow! Revenez vers l'ascenseur maintenant. Attends, on a gagné? Monsieur Mastu, je vous ai vu poursuivi en tout cas. Ah bah, on m'a poursuivi, je me suis recaché, après il m'a plus trouvé. Il en manque un là. Il manque Dwag. Hein? Mais Dwag, il est encore caché? Dwag, il faut sortir! Dwag, c'est Dwag, fini! Dwag, il prend le jeu trop premier fini. Degré. Oh, vous êtes vivant! Mais t'étais où? Moi, j'étais caché, moi je me suis dit peut-être que vous êtes fait attraper et que vous faisiez exprès pour me trouver. Ah non, c'est bon. Mais attendez, du coup on a gagné là. Oui. Donc on peut passer à l'étape suivante, il y a personne d'éliminé. Pour le moment. Let's go! Je me réjouis avec vous. Comment? Mais ne vous réjouissez pas trop vite, il reste plusieurs étages. Dwag Mastu, c'est grâce à vous les gars. Bien joué. C'est grâce à vous les gars. Pas fait attraper. C'est grâce à vous les frères. Bon courage. Les gars, il nous faut un cri de guerre.
Ok, 1, 2, 3. Ouais. C'est bien ça, ça me ouais, ça chiant. Non, 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 ouais, c'est vraiment. C'est, franchement, il y a une moi, collision pas, et tout. Moi, je suis pas à nous, là. Félicitations aux joueurs encore présents. Désormais, gardez vos forces pour cet étage. Vous allez en avoir besoin. Deuxième étage, les frères Warriors. Bonne visite à vous. Vous êtes beaucoup plus nombreux que prévu, merci. Comment ça, beaucoup plus vous avez remarqué, quand on est au deuxième étage, il y a un deuxième tube. Ah ouais, j'avais même pas vu. Bien vu, Dr Nozman. Bien vu. Ah non, t'as été attentif en vrai. J'ai un ami à vous présenter, deux amis même. On va se voir comme deux personnes. Vous allez voir, ils vont beaucoup. Ah, c'est les Frères Warriors. Vous les connaissez? Bah, bien sûr. On a entendu parler d'eux. Et ils sont deux? Ils sont super sympas. Ils sont peut-être deux. C'est une épreuve de force que je vais vous expliquer, entrez. C'est pour ça, ça me venait. Pourquoi il y a de la merde partout par terre? Pourquoi tu me touches le cul, toi? Ouais, on est dans mon studio. Oh, c'est ouais, c'est mon studio. On va vous demander de tenir le seau de cette manière-là, face à notre frère Warrior. Magla, tu t'en sors? Frère, j'ai une phobie des asticots. Des asticots? Oui. Ah bah, t'es servi, là. Et prends celui-là. Mais on l'a déjà mis dans un aquarium. Je le ferai plus jamais. On a besoin de la cohésion d'équipe, là. Vous y allez tous en même temps. Ah, c'est tous en fait, on y va tous en même temps. Il faut juste qu'il y en a un qui batte le frère Warrior. Allez-y. Wesh. Saisissez-vous du saut. Attends, faut y aller, là. Suivez-le. Inox, on compte sur toi. C'est toi qui fais du bas. Au-dessus de la corde, s'il vous plaît. Voilà, Inox, on rentre dans ton cerveau maintenant. Ne te fatigue pas, Il y a du défi. Attention, voilà, nous avons eu un premier toucher de corps. Qui doit que t'as touché le trou du cul. Mais c'est lui qui me gêne. Non, j'ai touché. Vous êtes éliminé. Hey, Doig, c'est pas grave, juste si on perd l'épreuve, on t'élimine. Comment ça, je vous ai fait gagner le Runa. Allez, Inox. Inox, on veut pas t'éliminer. On peut changer de bras? Non. Oh, sa mère. Il souffre, Inox, je te jure, tu tiens une minute, t'as gagné. Il souffre, je le vois, c'est ma tremble. Monsieur Mastu et Monsieur Inox, Michou fait. Sont sur le point de nous quitter. Non, jamais. Frère Warrior, tenez le coup. Inox, tout le pour toute la team. Les gars, ils s'en battent les couilles. Attendu. Ayez confiance en Inox Tag. Les gars, c'est abusé. Allez, Monsieur Michou. Ouais, c'est abusé, comment on peut rien faire? Et c'est dur, sa mère. Bras tendu, s'il vous plaît. Ah, bras tendu. Ah, le bras, il se détend, là. Allez, Inox. Remonte. T'es un bonhomme ou pas? Allez, t'es un bonhomme ou pas, Inox? Tu peux le faire. Il est en train de craquer. C'est ok, tu peux tenir, tu tiens. 11, 10, c'est bon, lâchez tout. C'est bon. Quoi? On a tenu, il a réussi? Vous avez tenu. Let's go. T'as réussi aussi? Il n'a pas lâché, c'est un très bon combat. T'as tenu. Massu aussi, Massu, bien joué, les gars. Massu m'a fait perdre. Frérot, je sens plus mon bras. Évidemment, le frère Warrior est droitier, il a tenu du gauche. Eh, on s'en fout, t'as perdu. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour l'équipe. Les frères Warriors. Vous avez été absolument brillants sur cette épreuve, mais dans les frères Warriors, comme Monsieur Mastu l'a relevé, il y a les frères Warriors. Je vais les défoncer, moi je suis en big form. Ah, je le défonce pas en fait. Il est chaud. Seul Monsieur Mastu et seul Monsieur Inox seront autorisés. Frérot, j'ai juré, t'as le golden physique. Non, mais arrête, rentre dans sa tête. Honnêtement, frère Warrior, je tiens à te dire, t'as de la chance que je suis pas là, parce que vraiment, en 1v1, t'aurais eu aucune chance. Ouais, dis-lui, Doig. Merci au Game Master. Eh les gars, je vous jure, bras tendus, j'ai fait une formation militaire. C'est bras tendus, les cordes. Attention, à 3, vous pouvez y aller. 1, 2, 3. Attends. Les gars, écoute. Ah, Inox, très bien, merci le frère Warrior a démontré de manière un petit peu rapide, certes, qu'aucune concurrence n'a été possible. Il a blessé notre joueur. Il m'a cassé la main. Non, premier degré, ça va ou pas? Meurs ta main. Je te jure, elle est cassée, je crois. Ça va être beaucoup plus facile d'éliminer le membre le plus défaillant, peut-être. Ils ont pas menti, c'est vraiment l'ascenseur infernal. Ouais. On va tous scanner ici. Eh les gars, pour le beau jeu, on le fume à 5, c'est vas-y, bon. Vas-y, on teste, vas-y. Ah, putain, l'astico. Bah ouais, c'est bon, il est plus. 3. Eh, soyez stables. 2. On met tout d'un coup, hein. 1. Maintenant. Voilà. On t'a dit quoi? Tu prends personne, tu vas retourner voir ton frère. Voilà, Doig. Il n'a pas peur. Attention, c'est pas grave.
Malheureusement... Moi, je sais qu'il faut éliminer quelqu'un. Je crois que Monsieur Inox a bien résumé la situation. Ah bon? Bah si, on a perdu. L'un de vous doit quitter l'aventure. Oh, ça merde. Bon, d'accord que vous poussiez même pas, vous quatre. J'étais seul à pousser contre le warrior. Attends, c'est quoi cette trahison là d'un coup, frère? Doig, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on doit voter, du coup tu te mets en avant. Non. Oublie pas que tu fais partie de nous trois, t'as lâché le saut aussi. Ouais, le saut, j'ai été vraiment une grosse bouse, par contre, sur le reste, je me suis rattrapé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je peux être le cerveau de cette équipe et je serai très utile pour la suite. Ce qui fait que vaut mieux ne pas m'éliminer maintenant et garder un max de gens pour la suite que de m'éliminer là maintenant et vous allez en éliminer un juste après parce que vous êtes trop nuls, vous allez perdre. Comment t'en sais plus qu'il là? Mais Merci Doig, on va t'éliminer. C'est le seul, si vous voulez voir le sixième étage dans cette vidéo, faut pas m'éliminer. Elle est plus forte que tout, on va tout défoncer. Merci, on est très fort. Mais attends, mais là vous êtes tous d'accord, vous voulez me sauter là. Mais Doig, en fait, c'est pour la cohésion d'équipe, t'es en train de nous insulter là. Je veux juste que ceux qui restent en vie gagnent. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Ok, vas-y, c'est quoi les points forts et points faibles de chacun? Très simple. Point fort de Mastu, on peut lui faire confiance les yeux fermés et il va toujours se donner à fond. Il ne troll jamais. Point fort de Magla, sympa, de fou. Ok les gars, je vote pour Doig. Il nous faut un choix rapidement. Moi je vote pour éliminer Doig Bill. Ok, bah du coup je vote Doig. Excellent choix. Les frères Warrior. Oh, ils s'en battent les couilles, Doig Bill, s'il vous plaît. Non les gars, je crois que vous faites une erreur là. Les vous gars, embarquez Doig. Je le prends un peu mal, Doig. Non les gars, non, non, je veux rester. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout, les gars. Non. Les gars, change, vous pouvez encore faire quelque chose. En plus, Doig, t'as beaucoup parlé au deuxième frère Warrior, je pense qu'il y a des comptes qui vont se régler. Dans les commentaires, mettez cœur pour Doig B. On l'a éliminé, c'était contre notre volonté. Doig, cœur sur Doig. Si tu me vois par là où tu es, c'était Doig, pas contre on toi, fallait sauver ma peau. Bon, troisième étage, les amis. Les gars, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence. C'est la fête ici! Je voulais rectifier quelque chose, GM, regardez. Mais en plus, il avait disparu, le cadre, il est toujours avec nous. Il est là! Je peux vous couper deux secondes? Bien sûr. Vous faites penser à un acteur. Ça me fait plaisir. À qui? Monsieur Mastu. À un gars qui s'appelle Johnny. Johnny, l'idée, le chanteur? Alors non, pas vraiment. Vous avez pas la ref? Oh! Il a plein de métiers, non? Oh, il a plein de métiers, ouais. Fou. Je vais penser à un gars, ça va être Johnny. Mais en chaud, un peu plus que ça. Mais moi, j'ai pas la ref. Moi non plus, j'ai pas la ref. C'est un Johnny bizarre. C'est un Johnny qui fait plein de métiers. Je vais vous présenter mon amie Candice, elle est adorable. Candice? Oui. Oh, pourquoi je sens le bourbier, là? C'est Charlie, la chocolaterie. Ouais. Salut les copains. Ça va? Ouais, ça va ou quoi, Candice? J'ai un cadeau pour toi. Merci. Candice, tu veux du shit? Pardon. Non, vas-y. Ouais. Maintenant, m'écoute. Okay. Alors moi, je fais le jeu de loi, vous m'écoutez. C'est quoi le jeu de quoi? Le jeu de loi. Chacun prend un dé. Allez. Les dés jaunes, c'est pour vous. Le rouge, c'est pour moi. Ok. Il est truqué, ton dé? Non, il est pas truqué. Est-ce que chacun prend un E? Vas-y, n'hésite pas. J'aime bien. Alors, tu m'écoutes? Ouais, j'arrête de m'embrouiller, toi, c'est grave. Je commence parce que je suis la plus jeune. Et t'as quel âge? T'as 45 ans, Candice. Si, si. Non, j'ai juré les truquer son dé. T'as triché. Elle a fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça compte pour Viver parce que c'est mon jeu. Sinon, si toi, tu tombes ici, t'es mort. C'est quoi les autres cas? Allez, dépêche-toi. Ouais, y'a une tête de mort sous son. Allez, joue. À moi? Oui. Vas-y, joue. Fais 5. Allez, ouais. Je joue. 3, 4, 5. On s'amuse. 2, 1, 4. Let's go, les viens. 1, 2, 3, 4. Plus 3. J'avance de 3. T'as fait le meilleur truc. 1, 2, 3. C'est bien ça. Oh, c'est trop bien. Elle a trop la haine, Candice. Attends, comment on gagne? Faut gagner. Il faut arriver au bout. Avant le premier, toi. Avant moi. Mais tu arriveras pas parce que je suis plus forte que vous. 1, 2, 3, je vais faire 6. Et c'est ça qu'on veut. Non, faut pas faire 6. Hein? 4. C'est bien, tu fais la bonne chose. Le meilleur truc, un, c'est avec 2, 3, 4 plus 3, on est en plein sens. C'est incroyable ce jeu. Mon tour? Oui, à ton tour. Plus de joie? Elle est dégoûtée. Elle a trop la rage. Elle est trop nulle. 2? C'est quoi 2? Je sais pas, mais c'est pas beau. C'est bien. Le logo, il est pas ouf. 2. Les garçons! Je vois, elle va se faire électrocuter. Oh non, ils sont là!
Tu vas te faire électro. Oh non. Va se faire taser. Le retour. Non, c'est un taser. Non. T'as le choix. Entre me faire taser. Soit t'abandonnes, soit tu prends le taser. Hein? Dans la partie de ton corps que Magla, tu veux. Magla, Magla, on a besoin de toi. Non, gueule, c'est pas une Magla, hé hey, Magla, j'en ai rien à faire, fais-toi. Hé, hey, moi je te dis un truc Magla, je l'ai testé, ça m'a brûlé pendant 3 jours. Après, quoi? Tu peux abandonner. C'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il a testé lui. Alors attendez, attendez. J'ai pas signé de décharge, donc techniquement vous pouvez pas me taser. Soit t'abandonnes, soit tu prends le taser. Fais la maline un peu, hein. Tu sais, je sais pas combien t'es... Wesh. Wow, le bruit, frère. Eh, j'avais envie de vous aider, mais le taser, quand même. T'abandonnes. Ouais, je vous regarde. Éliminé. On a compris, oh. À toi. 2 et 6, faut pas faire, donc une chance sur 3 de me faire éliminer maintenant. Fais 5, s'il te plaît, Mathieu. Oh, 5, il y a une étoile, il y a une étoile. 5. Elle est contente, c'est bizarre. J'ai l'impression que tu vas... T'as de la chance, tu vas tout là-bas sur la case noire, t'as avancé. T'es vraiment la case noire. Mais tu vas voir, je vais te rejoindre. C'est pas toi qui vas gagner. Attends, mais t'as gagné là, ma fille. Hé, y'a quoi sur la case noire, Candy Hop? Candy Hop? Candy Hop. Oh putain. Allez, comment tu m'as appelé? C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer, Candice. À moi. Hé, Candice ou Candeuf? Wesh. Inox, c'est à toi de jouer. 5. Ah, tu fais comme moi? Mais arrête de me copier, t'es vraiment un copieur. Attends, mais gros, on est en bleu sang. Quoi? Ah ouais, on est bien. On est en bleu sang, là, mon. Attends, après, t'inquiète. Ouais. Il va faire 3. 1. Oh, c'est quoi? Quoi, ça? Non! Il est mort. J'avais pas vu la case. Voilà, 1. T'es mort. Mais c'est scripté, frère. À moi de jouer? Oui. 3. Oh non. Non. Oh non. Non, mais c'est scripté, j'ai juré, c'est scripté. Mais attends, mais là, Inox, t'es solo. Regardez le comeback. Moi, je cherche pas à faire des pronostics de dés, je lance mon dé. Si, c'est le destin qui est avec moi ou qui ne l'est pas. Mais il est pas. Il est. Ah si, il est avec toi. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez, Inox, t'es allez, avec elle, t'es avec allez, elle. Allez, Candy, hop. Oula. Candice, bonne ambiance. Ton jeu, il est trop bien. Est-ce que je peux rajouter une règle? Oui, dis-moi. Pour vous donner un peu de piment, parce que là, ouais, tu dois t'ennuyer, t'es trop forte par rapport à nous. Ouais, grave. Si tu tombes sur une case noire, ça peut nous réanimer à nous trois. Ouais, viens, on met un peu de défi. Sinon, c'est trop simple pour toi, là. Ok. Elle est débile, pardon. Hé, hey, t'as quel âge, Candy Crush? Hey, je te dis pas. C'est trop la fête. Je te dis pas, hop, j'avance, à toi. Ah, regarde la case sur laquelle t'es. Non, c'était morte. Eh, hey, mais t'es morte. C'est mon jeu, c'est moi qui décide. Mais Candy, tu te souviens, on avait mis une règle en place parce que t'étais trop forte. Tu sauves quelqu'un, la case noire. D'accord. Ça va quasiment rien changer en plus parce qu'on va réapparaître. Moi, Candice. Allez. Je sauve quelqu'un. Bon, moi, Candice, je trouve qu'on s'amuse trop ensemble. Je sauve Michou. Oh, vas-y, Mich. Allez, Mich. Et en vrai, je fais 5, j'arrive à la case 20, je suis avec vous. Vas-y, fais 5. 4, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il faut que tu fasses tout sauf 1 et 3. C'est quoi ça? 4. Oh putain, elle a failli se faire taser. Putain, mais elle a trop d'avance, frère. Inox, j'ai juré, il n'y a que toi qui pourras attraper. Non, mais c'est trop, elle est truquée, son dé. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2. Oh, moins 2, mince. À toi, Mich, à toi. Moi, je peux rien faire, frère, ça sert à rien. Tente, faut pas lâcher. Faut jamais lâcher. 2, frère. Pierre, feuille, ciseaux, tu peux échanger avec elle. Tu peux la mettre là. Pierre, feuille, ciseaux, on change de place. Il faut jouer. Prêt, Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai... Oh, ma... Dehors, retour à la case départ. Allez, hop, dehors. Eh, hey, Candice, ratio. C'est à moi. Ta-ta-la-ta. Regarde, on va s'approcher de la finale. Et c'est 4 à 4. Mais c'est pas... 1, 2, 3, 4. Malheureux. Ça dit quoi le sang? On est en presque arrivé. Candice, c'est que t'es tellement claqué que même si Mich avait pas été remis en jeu, Inox, il t'aurait quand même battu. 4, en vrai, c'est 4. Bon, on a le temps, on peut... Eh, hey, carrément, on peut dormir là. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, tu es prêt, ce mec. C'est quoi la peinture? Oula. Elle a l'air contente. Paintball? Oh non, 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 non. Non, arrête. Non, ça fait trop mal. Hey, je suis obligé ou pas? Il faut que tu mettes un casque. Frérot, j'ai juré, tu vas morfler. Ne le fais pas. Si tu veux rester dans le game, une balle de paintball. T'es à 1, mec. Eh, en vrai, j'ai fait de la merde sur les deux premiers rounds.
Il porte ses couilles. Tu choisis où on te met la balle? Dans le dos. Oh wesh. Wow. Aïe. Arrête, arrête, arrête. Ah oh ah oh ah 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 ah. Ah, ça fait trop mal. Frère, ça fait trop mal, le pain. Aïe, aïe. C'est bien. Ah. On reste dans la voiture. Frère, tu peux enlever ta combi 2 secondes, s'il te plaît? Oh. Wesh. Non, gros, c'est trop abusé. Wesh. C'est abusé. Wesh. Frérot, t'as un trou, gros. On continue le jeu, moi, j'ai servi à quelque chose. Eh, hey, Inox, si tu te prends le paintball, fais-le pas. 2. 1, 2. Parfait. Fallait juste pas tomber sur le pierre, feuille, ciseau parce qu'elle aurait pu te niquer, mais c'est bon. Candice, t'as perdu, t'as loose. J'ai pas encore perdu. T'as loose, Candice. Candice, tu vas dire à tous tes copains à la récré que t'as perdu. Candy Crush Soda. Allez. Oh, t'as fait un. 1, 2, 3. T'as fait 4, un. T'as fait 5. Un. Non, j'ai fait 5. Eh, hey, je lance. Si je fais 2 ou plus, j'ai gagné. Hein. Oh, oh, c'est une blague. Ah. Il a fait 1. Mais t'as gagné. Bah non, c'est faut faire. C'est là, là. Ah, c'est ça. Mais c'est bon, tu peux gagner, toi. Bon, hey, bien 1, 2, 3, 4, 5. Jeu, hein. Fais 1, 5, 2, fais 3. 5. Terminé, le jeu est fini. Allez, en tout 5, cas, 6. Merci d'avoir participé. C'était lourd. Voilà. 2, 3, 4, 5. Let's go. Je l'ai call, mon grand. Je l'ai call. Il y avait de l'assurance dans ce jeu. Il y avait de l'assurance. Sur ce, ciao, on monte au prochain ascenseur. Allez, ciao. Bonnes vacances, Candy. Allez, yo, Candice, ratio. Allez, ratio. Par contre, on est chaud, mais juste, j'ai plus de dos, je vous le dis. On l'a vu, ça. Ah, mais les gars, on fêtait ses 3 ans. Hé, hey, Candice, c'est quoi ton snap? Quoi? Non, mais... hey. Non, mais venez pour le beau jeu. Je pense pas qu'elle aime avec le 4 de Dwaggy. Ouais, on emmène Dwaggy. Allez. Let's go, Johnny! Ouais! Let's go! Mais vous êtes encore très nombreux. T'es vraiment rapide, toi. Un cadeau, Johnny. T'es à tous les étages, quoi. C'est un truc de fou. C'est toujours un plaisir de te revoir. Mais la réciproque est tout à fait vraie, mes amis. Inox, t'as pas remarqué un truc, mon frérot? Oula! Oula! C'est pas moi qui y passera, là. Monsieur Inox, nous allons enquêter sur cette affaire. Honnêtement... C'est pas toi. Je compte sur ah, vous. Non, c'est non. Pas toi, frère. Non, non, bien sûr que c'est non. C'est très grave. Merci de nous avoir... Ah, toujours avec toujours. Nous. Toujours avec nous, Dwight. Toujours avec nous. Ouf. Tu t'es décalé. Ça va? Moi, ça va, moi. Oh, la violence. Frérot, il y avait un objectif qui allait sauter, j'ai voulu lancer le truc et il s'est décalé au même moment. Sur ces bonnes paroles, je vous propose de faire travailler vos matières grises. Allez. J'ai encore un ami à vous présenter. Encore? Un certain professeur Layton. Oh, professeur Layton, j'adore. Professeur Layton. J'adore. Le vrai. Bienvenue. Bonjour, professeur. Bonjour. Installez-vous à vos pupitres. Pourquoi il y a 5 tables? Il y en a un qui va pas être là, voilà. Oh non. Ça va, Dwag? T'inquiète, Dwag. Les enfants, silence, s'il vous plaît. Mais là, c'est incroyable, les tables. Si on se balance, ça balance la table avec. Ah ouais. Je vais vous demander un petit peu de calme, sinon ça sera 2 heures de colle pour tout le monde. Ah, on est vraiment là, changé de concept, là. Je suis donc le professeur Layton. Et oui, j'ai changé de style vestimentaire. Et non, je n'ai pas rajeuni. C'est comme ça. Mais avec moi, vous allez devoir affronter 4 énigmes. Si vous en remportez 3, vous passez à l'étage suivant. Et, petite prime, vous pourrez récupérer votre ami. Dwag. Non, les gars, pour Dwag. Monsieur. Non. Non, monsieur, je pense que lui, c'est vraiment un bon, faut pas se le mettre à dos. Il faut Dwag, là. On va commencer. Eh, les gars, je vous le dis, c'est mon épreuve. Énigme numéro 1. Combien y a-t-il de trous dans ce t-shirt? C'est un monstre, c'est bon, c'est facile, frère. Bah, les trous, c'est les manches, le col et en bas. Non, mais les 2 trous au milieu. Les gars, ça veut dire face avant, face arrière, parce qu'on voit à travers. On a 8. Donc 8, ouais. J'en avais oublié 2. Smart. 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, vous pensez? Mais gros, regarde. Tu vois, on voit à travers le t-shirt, ça veut dire qu'en gros, il y a des trous et devant et derrière. Du coup, ça fait 4 trous déjà. Ouais, comme tu vois à travers, ça veut dire qu'il y a un trou à l'avant, un trou à l'arrière. Après, t'as les manches. Ça fait 4. Les 2 manches, le col. Voilà, c'est bon. Les 2 manches, le col, le bas. Allez, je vous suis.
Quelle est votre réponse? Attendez, j'ai peur. Allez, à bouler, vous êtes sûr? Oui. 8. Eh bien, vous me surprenez. Très bonne réponse, bravo. Yes. 1 point. Bah, attends, mais c'est bon, mais c'est trop facile. Oh, c'est attends, c'est peut-être l'amuse-bouche. Pop, chopé par la grosse tête tout de suite, attention. Énigme numéro 2. Tous ces mots ont un point commun, lequel? Alors, chiot, accent, effort. Alors, ça a 5 lettres, chiot, ça a 5 lettres. Après, accent, ça a 6 lettres. Effort, alors, chio. Ils ont une lettre en commun, peut-être? Bah, ils ont 5 lettres chacun. Non, le A, il y est pas. Non, ils ont pas un. Mais hey, ils ont tous 5 lettres. Les gars, je l'ai. Ah. J'ai juré, je l'ai. Attention. Chio, accent, effort. Ah non, tous ces mots. Mais ils ont tous 5 lettres. Mais en fait, ils ont tous un point commun, les gars. Bah, ils font tous 2 cils. Ah bah non. Mais en fait, je viens seulement de comprendre la question, bordel. C'est bon, je l'ai. Non, j'ai juré, je l'ai. Je suis pas sûr. C'est quoi ta piste? Tous les mots. Ils sont écrits dans l'ordre alphabétique. Bah, c'est pas un bon commun. Genre alors, ça commence par un A. Mm-hmm. E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S. Ok, t'as raison. P, Q, R, F, chio, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Non mais attends, putain, c'est trop. J'ai juré, c'est ça. Allez, je voudrais une réponse maintenant. Si c'est ça, t'es un crack. Est-ce que c'est votre réponse? Ah, de toute façon, c'est un point commun, donc c'est bon. C'est un point commun. Bah ouais, c'en est un. Bah ouais, s'il dit non, je vais. Tous les mots sont dans l'ordre alphabétique. Eh bien. Bravo! Ouais! Oh là là! C'est trop le mon épreuve! Franchement, je vous ai dit, c'est mon épreuve! Énigme numéro 3. À quoi correspondent les V et les C de cette suite? Quoi? V, C, C, C. Comment ça, à quoi correspondent les V et les C de cette Bonne suite? Bonne chance! Hein? Dans ma tête, ça pouvait être le mot le plus long du monde, c'est genre anticonstitutionnellement, et V voyelle et C consonne. Mais. Wesh. Mais c'est pas ça. Tu vois, est-ce que le V, ce serait pas un bail en mode un plus 1 ou fois quelque chose? Eh, il y a pile 26 lettres, comme dans l'alphabet. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça, frère. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mais c'est ça, frère. C'est putain, les voyelles et les consonnes. C'est voyelles, consonnes de l'alphabet. C'est mais l'alphabet. Je suis trop fort. Mais c'est bon, on est monstres. Alors, il me faut une réponse. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. La réponse, c'est l'alphabet. Les V, c'est les voyelles. Les C, c'est les consonnes. Eh ben, je suis désolé, mais... Vous avez gagné. Encore. Yes. Let's go. Travail d'équipe, frérot. Bien joué, ah, les gars. J'ai eu les voyelles, les consoles, il a dit 26 alphabets. Trop fort. Vous êtes plus fort que je ne le pensais. Énigme numéro 4. Bah, y a pas besoin, monsieur. Bon, on a validé, en fait. Dwag, il attend, là. Hein. Ouais, y a Dwag à sauver, quand même. Donc, vous pouvez récupérer votre ami. Il est où? Let's go. Dwag. Bravo, félicitations. Dwag. Mais non. Il est où? Oh, je suis trop heureuse. Alors, où est-ce qu'il est? Ça, c'est un mystère. Vous allez le retrouver. Super, bravo, super. En tout cas. On récupère Dwag. Yes, ils ont réussi. Let's go. Merci, Michou. Vous en êtes bien sortis jusque-là. Je suis fier de vous. Je me réjouis de vous voir vous épanouir comme ça. J'ai même pas récupéré. Oh, merci. Oh, j'ai croisé Dwag. Let's go. Vous avez été exceptionnel. Le comeback. Attendez. Laissez-le s'exprimer. Alors la prison, ça change en homme, sachez-le. Ok. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, et c'est vrai qu'il y a une chose que je voulais faire en priorité, c'était de m'excuser. Parce que j'ai pas été dans l'attitude qu'il fallait pour vous mener à la victoire, et je pensais que c'était vous les problèmes, et en fin de compte, non, avec c'est cette réflexion... C'est trop mignon. C'est beau les gars, c'est beau. Ça c'est le Dwag. Ça c'est Dwag. Ça c'est le Dwag. Une nouvelle énergie. Et de vous permettre d'aller le plus loin possible. Et si je dois me resacrifier, je me resacrifie. Non, Dwag, on est une équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble, c'est tout. J'ai un crush sur Dwagby. Le prof, Layton. Ouais, je suis passé en mode Layton. La prison, ça change un homme. Mais attends, il nous reste deux étages. Ouais, deux étages. Et on est cinq. En vrai, là, c'est bon. Mais oui. Là, les gars, ça va y arriver. Il nous reste deux étages, on est cinq. Par contre, les gars, je crois que l'ascenseur, il va vraiment pas revenir. Il est cassé, non? Je pense que l'étage 5 me fait peur. C'est surtout qu'il est bloqué au cinquième, là. Oh! Allez, viens, Dwag. Si, si, très joyeux, suivez-moi. Ouais, là, il a plus le temps de parler, là. Vous allez tout simplement vous attacher une corde autour de la taille et tirer sur celle qui pendra à côté de vous. Que se passera-t-il à ce moment-là? Est-ce qu'on sait toujours ce qui se passe quand on tire sur une corde? Oh non!
on va pouvoir tuer quelqu'un. Eh les gars, tirez pas une corde vers le milieu. Attendez. J'ai juré moi ma corde, elle va au milieu, tirez la pas s'il vous plaît. Montez sur la palette s'il vous plaît. Non mais les gars, en fait, j'ai compris, c'est simple. On est attaché à des cordes, on va devoir tirer des cordes. Mais oui, sauf qu'il y en a un nous. Rapprochez-vous. Je sais pas ce qui vous fait penser ça. Attendez, c'est quoi ça? Mais c'est je de sais la pas, merde, après, on dirait il y a un mec qui l'a vomi. Mais attends, dans le truc. Ramassez une corde à vos pieds. Au hasard comme ça? Au hasard comme ça. Putain les gars, c'est ouf, mais vous aussi vous étouffez un peu là. Je suis désolé si j'en ai pris l'un d'entre vous. Oh non, non, les attendez, gars, réfléchis bien à la corde que vous prenez. Magla, vous êtes prête? C'est vous la première. Il n'y a que vous. Magla. Magla, tire d'un coup sec. Je rigole, je plaisante. Je voulais faire la vanne, mais je voulais pas vraiment. Magla, vous avez été d'une redoutable puissance. Non, je faisais une vanne, mais je voulais pas vraiment tomber. Ah, donc t'es pas mort. En fait, non, je suis pas mort. Ah, mais moi j'avais peur pour toi, toi. Monsieur Inox, s'il vous plaît, tirez d'un coup sec. Ok. Moi, je ferai plus de vanne, si je pars, je pars. Eh, c'est bon, j'ai tiré. Eh, monsieur, il y a combien de cordes? 5. Au suivant, monsieur Dogby, maintenant, tirez fort, tirez fort, tirez. Je au suivant. Eh, ça fait trop peur, monsieur les gars. Mastu. Attends, monsieur Mastu. Mastu, les gars, c'est le quatrième. C'est sûr, il va tuer quelqu'un. Mastu, vous êtes prêts? Mastu, si tu me tires. 3, 2, 1. Putain, mais c'est ouf. La chatte qu'on a. Oh non, elle est vide, elle est vide. C'est elle fini. Est vide, c'est elle est vide. Fini. Mais la chatte qu'on a, elle est folle. Monsieur Michou. Monsieur Michou, pas n'importe quoi. Attends, si tu tires personne, on a tous gagné. Je crois, ouais. On est tous au niveau 6. On a gagné. Oui. Bordel, Michou, fais pas n'importe quoi. Vous avez tous gagné si personne n'est au bout de cette corde. Les gars, monsieur Michou, les gars, chill. Non, s'il vous plaît, les gars, je suis pas venu sortir de prison pour ça. D'un coup sec. 3, 2, 1, maintenant. Quoi? Non! Non! Oh, ça dégoûte. Non, Inox! Non, arrête, c'est pas vrai. Non, je suis avec la. Oh, non, il est vraiment parti, Emmenez-le, s'il vous plaît. Non, Inox, non! Le jeu a parlé. Le jeu a parlé. Je préfère me trahir. Le jeu a parlé. Non, monsieur, je me trahis. Saute vite! Là, tes doigts, non! Attention à vous. C'est le hasard, c'est pas volontaire. Après, tu lui souhaitais pas le voir mourir. C'est vraiment horrible. Parce que dans horrible. Ta tête, t'as visualisé Inox quand t'as tiré ou quoi? Tu vas dire quoi? C'est vraiment horrible, il est en prison avec des choses. Hé, hey, mais les gars, mais arrêtez! On a besoin de tous les éléments. Le prochain qui part dedans sera éliminé aussi. Je me jette pour Inox. Non, on a besoin de toi. Ça suffit maintenant? Non. Les gars, c'est pas comme d'hab, c'est pas comme d'hab. Non, y a pas de Johnny. Y a pas de Johnny, y a plus Inox. Y a plus Inox. On l'a pas ramené. Non. Quand j'étais éliminé, j'étais toujours là, moi. Ouais, c'est vrai qu'on donc t'avait ramené. Donc là, ça veut dire que définitivement, on verra plus Inox. On a pas ramené le cadre d'Inox. Non, nous, en fait, on ramenait ton cadre. Ouais, c'est à chaque fois. On l'a monté du deuxième au quatrième. Vous êtes des bâtards pour avoir pensé à Inox. Déjà. Ah, moi, je savais pas. Moi. Oh, les gars, j'ai juré, on a changé d'ambiance. Moi, j'aime bien ce que je vois. J'ai pas envie d'y aller. Les gars, pourquoi on ouvre pas juste? Non, mais vous savez qu'un verrou, ça suffit normalement. J'ai un truc qui m'explose à la gueule. Attends, ouais. Attends, il y a quelqu'un devant la porte. Quoi? FBI! FBI, open up! Open up! Oh putain, faut passer. Faut passer le rideau. Si vous voulez. Eh, vous savez quoi, moi j'étais censé être mort. Non, Dwight, reste en vie, Dwight, t'es un héros, Dwight. Allons-y. On peut y aller? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, mais Johnny! Johnny! Mais pourquoi t'étais pas devant la chaussure? Je vous attendais, pas plus loin. Mais qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Johnny, t'as enlevé ton chapeau? Ouais, j'ai enlevé mon chapeau. Très beau contour, Johnny. Merci. T'as été épargné par la calvitie. En tout cas, vous ne serez pas épargné par cette tour. Vous n'en sortirez pas vivant. C'est moi qui vous le dis. Bah, John, Johnny. Je pense que t'as perdu une phalange. Ouais. Ça fera un bruit de fou malade. Johnny, tu as baissé d'un ton? Ce sera toi le premier, là. Dis les termes, dis les termes. Non, Johnny, tu as baissé d'un ton. On est une équipe soudée ici, on est encore 4. Vous allez être tout seul face à moi en tout cas, un par un. Et bon, on va t'allumer un par un. Ouais, première épreuve. Oh, je connais le jeu. Oh, je non, connais. Magla, oh, je connais. Ah, t'es mal tombé. Le principe est assez simple. On appelle ça dans le langage courant un egg roulette. Un quoi? Il faut le casser sur la tête, sans réflexion. On prend un œuf, bam. Tout de suite, réfléchis pas, Magla, sinon tu vas pas le faire. Mais attends, mais du coup, qui a gagné? C'est pas moi. En fait. Let's go. Mais attends, mais je crois que... Il y en avait que un de piégé. C'est notre journée. Tu faisais trop le malin. Prochain, il va me faire. Oh, il a le dé. Oh, les gars, j'ai gagné. Oh, j'en prends ça. C'est bon.
Attends, c'est une épreuve un peu bizarre. On a train. Tu connais? Ouais, faut faire balancer avec. Je suis trop fort. Tu connais le jeu? Vas-y, vas-y, joue. Outplay. Tu dois faire une rotation pour que ça rentre tout seul dedans. Vas-y, bah, go fais-le, vas-y. Non, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de te laisser participer. Les gars, j'en ai marre des asticots, j'ai l'impression que c'est une routine dans ma vie. On va faire un principe selon mes règles. On part d'ici. Ah, la raison, but, c'est une rotation. Et de jeter. La qui tombe quand il parle. Dans le petit crochet. Oui, j'ai de l'œuf qui tombe. Mastu, je serai toi, je me concentrerai si tu veux pas finir ton verre. Voilà, c'est ça qui me moi, c'est pour ça que j'ai bug. Qui commence? C'est en même temps. Okay. C'est le premier qui reste. 1, 2, 3. Attends, faut jeter comme ça. Là, faut enchaîner. Ah ouais, faut être. Ah, ok, on enchaîne. Ouais. En fait, faut enchaîner et quand tu le réussis, t'avances le verre. Ça, c'est super dur. Quand tu réussis, t'avances le verre. C'est super dur. Tu l'as parlé de le lancer par là. On fait un check de rotation. Non, vous faites pas le check, vous n'êtes pas dans double dash. Mais il devrait pas lancer par là. Non, mais c'est un trick. Lance à gauche. Oh non! Non! Non, Mastu, allez! Mastu! Oui, ok, chaud! Allez, Mastu! Encore! Oh putain! Tu l'as lancé! Allez, Mastu, remonte! Oui! Non! Mais laisse-moi avancer! Je vais. Hey, Johnny, non, on va se prendre un verre après! T'approches pas trop près! Non! Attends, là, s'il le met. Oui! S'il le met, tu vas devoir boire les asticots! Non, Mastu, tu stresses là, hein. Tu stresses, t'as raison de stresser, mon pote! Ah, j'en éternue! Tu peux faire un cul sec? Oui! C'est bon, il est pas éliminé? Bah si! Je crois que ça va avec. Bah si, il est éliminé. Bah non, c'est soit l'un soit l'autre. Et en plus, il mange des verres. C'est. Ouais, il prend double peine. Johnny! Oh, ça, j'aurais jamais pu le faire. Par contre, big respect. Ah, ça me dégue. C'est que des vitamines. Ouais, je suis en train de kiffer. T'as kiffé? Ça va? C'est impossible de kiffer ça. Mec. En vrai, les séchés comme ça, non, je crois que c'est un gorgé noisette. Il va me flinguer là. Oh. Non! Non, Mastu. Si. Non, vous. Eh, hey, tu es propre Mastu, toi. Si. Vous savez quoi? Non? Pardon. Oh, la fosse d'arbre. Mastu doit partir. Non! Mastu! Attendez, vous avez perdu un truc, monsieur Cagoule! Mastu, tu ne nous manqueras pas! Mastu, on t'aime! Vas-y, moi aussi, je vous aime, les gars! Mais attends, mais il a l'air content de partir, c'est bizarre! Ouais, il avait l'air heureux avec lui! Il reste une dernière salle! C'est pas fini! Quoi? Hein? Pour sortir d'ici, il faut que vous alliez chercher les clés qui sont de l'autre côté de cette salle. Oh, petite précision, j'en profite pour vous le dire, il y a des lasers, des alarmes, comme on dit. Qui est souple? Et si par hasard. Je peux aussi. Vous prenez une alarme? Vous prendriez un coup de taser aussi. Quoi? Venez, on va voir le parcours. On va voir et... On aura ta peau, Johnny. Bon courage. On aura ta peau. Hey, Johnny, maintenant qu'on est loin, je te baise. Oh, doucement, tu vas prendre des coups de taser, frérot. Tu veux y aller, Magla, ou pas? J'ai pas envie que tu te prennes du taser alors que t'as déjà pris une balle de paintball. Magla, c'est incroyable si tu le fais pour tout le monde. Là, tu passes en dessous, tu essaies de trouver le... Toi qui donne juste les conseils, mais il a fait j'essaie aucune de me rendre utile, mais... Il a fait aucune épreuve, il a trop peur. Il y avait tellement d'épreuves que j'aurais pu carry, mais à chaque fois, c'était vous. Oh là 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 là, t'es sûr de ça, là? Ouais. Moi, j'ai confiance, Magla, vas-y. Si t'as la clé, on peut tous sortir d'ici. Allez, Mag. Au pire, tu nous la lances. Oui, c'est ce qui va se passer. Vous m'abandonnerez ici. Et on verra pour toi après. Ok, je peux me mettre debout ici, là. Ouais, exactement. Cette zone-là est safe. Et toi, tu me fais peur, il y a un laser ici. Hein. Prends ta respiration. Oh, c'est trop dur. Elle est enjambée. Attention à tes cheveux. Hein. Oh putain. Ça passe. Allez. D'un coup. Les abdos pour pouvoir lever la deuxième jambe. Voilà, le pied d'appui, c'est parfait, Magla. Attention, au-dessus de toi, il y en a un. Ouais, mais t'as les cas. Ça a touché. Non, attends, stop. Attends, c'est pas drôle. Non, ça, non. Je suis mort. Attends, non. Attends. Ah, ce bâtard. On est mort. Quoi? Non. Comment on va faire tous les deux? Oh, moi, c'est mort. Pas taser, s'il vous plaît. Non. Gros, moi, c'est mort. Je n'ai rien à faire là. Fallait me laisser en prison. Non. J'ai rien demandé. Moi, j'étais bien en prison. Pourquoi tu fais vivre ça à tout le monde? L'autre, il bouffe des asticots. Inox, il est tombé. Moi, j'ai rien fait, moi. Magla, elle se fait électrocuter. Pourquoi tu nous fais vivre ça, mec? J'ai rien fait, moi. Assume, je joue plus. Mais toi, la cohésion d'équipe, c'est pas ton truc, Doig. Mais il n'y a jamais eu de cohésion dans cette équipe. Je te le dis maintenant, il n'y en a jamais eu. Il y a eu que de la survie, que de l'hypocrisie. Si tu veux vraiment être team play, va au bout pour l'équipe. Je vais le faire. Pour l'équipe, pour Inox, pour Mastu, pour Magla, qui eux se sont donnés corps et âme. Et comparé à toi qui nous a quittés au deuxième étage. Mais vous m'avez voté. Vous m'avez voté. Ça, c'est vrai. J'y vais. Ne rate pas, frérot, parce que c'est pas moi qui vais réussir. Mais moi, j'ai pas des cheveux longs. Attends, mais comment elle a fait, Magla? Ah, ici, elle est passée en dessous. Ouais, c'est une bonne idée. C'est peut-être malin, ça. Et j'ai un gros cul, ça passe? T'inquiète, le cul, il passe nique, il est tout. Putain, passe. Wow, c'est vrai que t'as un beau cul, hein, quand même. Ouais, c'est pas le sujet, là. Pardon, excuse-moi. Ça passe? Il passe, bien sûr qu'il passe. Il est très bien. Oh, Michouki, commence à enjamber. Réfléchis avant, bien sûr. Ok, si tu recules un peu, t'as un petit peu plus de largeur. Voilà, parfait. Et t'es pas dans la diagonale encore. Là, t'es très bien. Oh, j'ai une crampe. Non, c'est pas le moment. J'ai une crampe du pied. Et là, faut t'arriver à faire un basculement clean. Mec, fais une roulade en faisant passer ta jambe au même niveau. Fais une roulade comme si t'allais rouler. Dis-moi, là, y a rien là. Là, y a rien, mais voilà. Nickel. Il va falloir faire du gainage. Il manque que la jambe.
Comme ça? Je te jure, t'es parfait, mec. Mais t'as fait ça toute ta vie, t'es un chien. T'as eu une vie de chien avant. C'est magnifique! Ok, Michou, reste tranquille, vérifie s'il n'y a pas d'autres lasers, il y en a peut-être qu'on a oublié. Vérifie, je vois plus rien à partir d'ici, t'es tout seul. Et qu'est-ce qu'il y a à partir du coffre? Wouah! Voilà, ça c'est traître. Il y a un 4 lasers ici, wesh. Voilà, bah tu vois, lui on le voit pas, nous. Je peux appuyer sur la clé, mais j'ai pas de code. Pour Magla, tu le fais pour Mastu. Oh! Oh, ça a tout désactivé! Ça a tout désactivé, Dwight! Let's go! Imagine ta tractique, imagine ta tractique! Attends. Imagine ta tractique, vite. Oh! Je comprends pas, moi, j'ai pas. C'est bon! J'ai les clés! Vite, on se casse! Vite! Voilà! J'ai les clés! Ça, on a gagné! Mais y'a de l'or aussi, pour lui. On a gagné! Il est con, lui ou quoi? On t'a eu, Johnny! On t'a eu! Let's go! Mais attends, t'as retourné ta veste de fond? On a gagné! On a gagné! On a gagné! On t'a baisé, Johnny! Mille cinq, 2000. Et voilà mon Dwag. Mec. Tout est bien qui finit bien. Ouais, je pensais pas qu'on allait s'en sortir comme ça. Après, tout est bien qui finit bien, on devait être 5 quand même à la base. Ouais, mais nous on a encore envie. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on en a pas rien à foutre finalement des autres. Ouais, c'est vrai, on l'a quand même fait pour eux, hein, forcément, pour Inox, pour Magla, pour Mastu. Mais mal à la thune qu'on a. Non, là on va c'est se mettre ça bien, qui mais... compte. C'est vrai, mais j'ai l'impression de pas l'avoir mérité, j'ai pas fait grand chose, moi j'ai... Mais c'est leur problème, ils avaient qu'à gagner leurs épreuves. T'as raison, mec. Finalement, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Les perdants racontent l'histoire. Bon, là, ils peuvent pas la raconter, mais bon. Non, les gagnants racontent l'histoire, ouais. Les perdants... Les perdants racontent l'histoire, les gagnants l'écrivent. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais moi, je suis encore déboussolé, mec. J'ai des pièces qui tombent partout. T'as déjà eu ça avant? C'est un vrai? C'est un vrai diamant. Mais ça vaut des centaines de milliers d'euros. Mais du coup, tu le caches au fond de ton corps pour qu'il ne soit jamais retrouvé, si ce n'est... Ouais, grave. Et tu me donnes le secret? Je garderai le secret jusqu'à ma mort. Ouais. Je balancerai jamais. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Je tenais à remercier aussi une nouvelle fois Warner Bros. Games France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien dans la description pour télécharger gratuitement Harry Potter, la magie émerge. Merci à toute l'équipe. Les Avec gars, plaisir. C'était trop bien. Quelle aventure de fou. On a trop rigolé au début, là. Non, mais surtout au milieu. Mais toi, t'étais là qu'au début, en plus. C'est ouais, parfait. C'est surtout, quand y avait... surtout quand il y avait le truc qui est tombé, là. Ah ouais, rigolerie. Et tu te rappelles quand Mastu a embrassé Magla? Hein? Non, moi je me rappelle. Quoi? Bon, les gars, on a pas vécu la même. Attends, il y a une on était sur la même vidéo. Quoi? Bah, les gars, il y a des scènes coupées. On garde aussi des fois des exclus. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous kifferiez, je sais pas pourquoi pas, un épisode 2 où cette fois-ci on pourrait peut-être essayer d'aller encore plus loin, même si ça va être compliqué, les gars, parce que là déjà, on a mis la barre haute. Plein de gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Il m'a fait peur, putain.